La première édition du Festival de Grillade a pris fin ce week-end avec à la clé remise de parchemins aux entrepreneurs participants. La mise en place d'un club de briseurs et la mise à disposition des moyens d'accompagnement aux deux meilleurs briseurs retenus pour cette première édition. Aujourd'hui, le festival, nous avons donné la possibilité aux briseurs de bénéficier d'un club de briseurs, bien entendu avec un reçu derrière, une formation derrière. Le deuxième objectif est celui d'accompagner, de soutenir financièrement, moralement, spirituellement, peu briseurs pour cette première édition. Malgré les promesses non tenues de certains partenaires, ce projet a pu être concrétisé grâce aux efforts consentis par les différents acteurs et l'organisation s'en félicite. Parce qu'il a été difficile pour nous pour avoir refusé un partenaire, un sponsor. Nous avons frappé à des portes qui semblaient être ouvertes et qui après se sont refermées. Mais malgré cela, nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes dit, nous allons y arriver avec ou sans ces partenaires. Nous disons merci à Top Benji. J'ai un ami qui m'a appelé depuis le premier et me dire, mais frère, tu as beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous avez les médias, les gens, vous avez des tués, vous avez des caméramans et tout ça. J'ai dit, frère, ce sont des partenaires qui ont cru au projet. Donc, grand merci à toi, Pendier, parce que depuis le début, lors de nos conférences de presse, ils ont été avec nous, lors de nos expressions littéraires, ils ont été là, ils ont grand merci à toi, Pendier. Entreprendre à travers l'art culinaire, c'est principalement le but visé par une telle initiative. C'est une première à Port-Gentil, le festival de Criade. Je peux dire qu'il a été bénéfique parce qu'il nous a permis de faire connaître à la population port-gentillaise l'art culinaire, ce que nous savons faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas notre personne. Et voilà, ça va peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de clients. C'est une première fois que je me lance dans ce domaine, c'est une première fois. Peut-être ma qualité, mon goût, ma présentation de mes mains ont peut-être fait de moi cet heureux gagnant. Mais sinon, c'est un sentiment de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition.